Bonjour, je m'appelle Virginie. Et moi Aurélie. Et aujourd'hui, on va te présenter le département du GE2I, qui veut dire génie électrique informatique industriel. C'est parti. Dans cette salle, on retrouve donc, c'est la salle des deuxièmes années en électronique numérique. Tu peux voir que cette salle donc, a des ordi, des GBF, des oscilloscopes, des fers à souder. Donc voilà. On étudie principalement donc, du coup de l'EN, donc de l'électronique numérique. De l'hyperfréquence. Et voilà. Alors ici, c'est la salle d'études et réalisation des deuxièmes années automatiques. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on programme dans un langage de programmation qu'on a appris en première année, qui s'appelle le VHDL. C'est purement industriel, et ça va nous aider à faire tout ce qui est machine industrielle, comme des bras mécaniques, des trains, etc. Donc là, on a un exemple. C'est un bras mécanique qu'on va programmer, qui va détecter une couleur, et qui va trier la pièce en fonction de la couleur. Voilà, ça c'est un projet de deuxième année. Pareil, en deuxième année, on programme sur une maquette de train. Donc on fait en sorte que les trains ne se collisionnent pas, si ça se dit, ne fassent pas de collision, et pour qu'ils aillent d'un point A à un point B. Là, on fait un robot suiveur de ligne. Il doit pas dépasser. Et en fonction des capteurs, on va l'amener soit à droite, soit à gauche. Ici, c'est ce qu'on a. On a une maison connectée. Tout ce qui est éclairage en fonction de la luminosité dans la pièce ou des trucs comme ça. Tout ce qui est domotique. Alors, dans cette salle, on retrouve donc, c'est la salle des premières années en ER. Donc, ER, c'est quoi? C'est études et réalisation. Donc, ici, on crée des cartes grâce à un logiciel. Ensuite, on a les composants, donc tout ce qui est condensateur, résistance et tout ça. Donc, c'est nous qui choisissons grâce, du coup, à nos mesures et au cahier des charges. Donc, on a beaucoup de matériel. Dans cette salle, c'est tout ce qui est perçage. Ici, c'est tout ce qui a composants avec les valeurs. Ici, c'est tout ce qui est soudage de cartes, de composants, tout ça. Voilà. En première année, on a travaillé du coup sur un radar de recul. Donc, on a créé une carte, on a mis des composants. Et en fait, grâce à ça, on a programmé du coup le radar de recul. Et donc, du coup, ici, lorsqu'il s'approche très près d'un mur, en fait, il fait un bip sonore. Et voilà. Et là, c'est une carte Arduino. Et ça, du coup, vers la fin du TP, en fait, où tu programmeras sur la carte pour justement faire fonctionner. Ici, on retrouve donc les travaux, la salle de travaux de laboratoire en système informatique numérique. Donc ici, on travaille aussi. Donc ça sera plus pour les premières années. Donc ici, c'est l'introduction au VHDL, qui est un langage de programmation. Tu vas programmer justement sur les châteaux d'eau, donc voilà, et sur d'autres programmes, voilà. Le château d'eau, globalement, on va réguler dans les deux cubes le niveau de l'eau, avec des capteurs. Ouais. Ici, du coup, on retrouve tout ce qui est salle micro. Donc, il y a quatre salles. Salle micro 1, 2, 3 et 4. Ces salles micro, en fait, globalement, c'est des salles informatiques. On y travaille principalement sur, en TP. Tout ce qui est outils logiciels, programmation et tout ça. Donc ici, on a des salles de travaux de laboratoire de première qui est là-bas et de deuxième année. C'est globalement, on étudie un système et on regarde comment il réagit en fonction de plein de facteurs. Ça peut être
l'attention qu'on lui envoie, ça peut être l'amplitude, la fréquence, etc. Ici, c'est une salle de deuxième année. Voilà. Donc, on y travaille donc le système électronique, l'énergie et tout ça. Alors ici, c'est la salle d'objets connectés et de propagation en hyperfréquence. Donc ici, globalement, on va juste étudier comment se propagent les hyperfréquences, que ce soit via un câble, enfin ce qu'on appelle une ligne, ou alors des antennes émettrices-réceptrices, et on regarde comment ça réagit. Donc nous revoilà au point de départ et cette visite est terminée. Du coup, on te dit peut-être à l'année prochaine et nous espérons que tu viendras, du coup. À bientôt.